En lui faisant un tonnerre d'applaudissements pour qu'il puisse faire ça tranquillement. Bravo! Votre passion à tous. Voilà, c'est l'occasion aussi de nous apprendre des choses, de la détection, c'est ça qui est chouette, c'est qu'on est là, on est sincère et savoir, mais tout le monde sait un petit peu et on va vous le partager et c'est ça qui est excellent et à la fin on sait tous un peu plus quoi. Allez, c'est parti, je te laisse tranquille. Ok, alors bon, c'est un petit laïus sans prétention aucune. Oh! Alors, qu'est-ce que la Gaule? Déjà, pour commencer, donc la Gaule est nommée ainsi par Jules César, il faut le savoir, qui la divise en trois parties. La Gaule belge, la Gaule celtique et la Gaule aquitanique. La quatrième étant des provinces romaines ou les colonies grecques. Avait déjà élu domicile auparavant, de Toulouse à l'Italie. En réalité, il n'existe pas plusieurs ou un seul peuple gaulois, mais une multitude de tribus libres et indépendantes qui commercent entre eux, ainsi qu'avec les Grecs dont les comptoirs sont installés au sud et en Espagne. Massalia, Emporion, Rhoda et d'autres. Puis plus tard, avec le peuple romain, les Celtes sont venus de l'Europe centrale pour migrer chez nous, emmenant avec eux un savoir-faire d'une qualité et d'un raffinement que l'on a encore du mal à reproduire de nos jours avec les moyens dont on dispose. Ces peuples, longtemps qualifiés de frustres, étaient en réalité civilisés et avancés dans la technologie. On leur doit notamment les routes attribuées aux Romains à tort, alors que sans ces routes gauloises, la campagne de Jules César n'aurait peut-être pas eu la même issue. Un autre exemple, les casques romains sont copiés sur ceux des Gaulois. En résumé, ce peuple est très loin de l'image que Jules, notre cher Jules, voulait lui donner, propagande oblige. Pour parler de la monnaie, les premières ont été frappées par les Grecs occupant les comptoirs et les Celtes se sont adaptés en créant leur propre monnaie. D'abord en imitant les drachmes de Philippe de Macédoine, celle d'Emporion et Rhoda. Puis par dégénérescence, ont créé leur propre style. Je ne parle bien évidemment pas des monnaies hellénistiques qui, elles, sont divisées des différentes colonies grecques. Donc quand on dit monnaie hellénistique, en fait, c'est ce qui est drachme de Marseille, les oboles, etc. Dans le sud-ouest, la tribu principale est celle des Volques Tectosages, donc c'est de là où je viens moi, dont l'oppidum capital se trouve à Vieille-Toulouse, et où gravitent d'autres tribus comme les Sossiates, Sos, les Nithiobroges, Agen, les Élusates, le Gers, les Rutènes, les Tarusates, les Landes, et en partant vers le sud-est, les Volques aricomiques, donc chez vous. Pour ce monnayage, on trouve deux types, les drachmes et les divisions, appelées couramment oboles. Ils ne frappaient pas l'or qui était réservé pour les bijoux. Pour conclure, nos ancêtres n'étaient donc pas des Russes, des Celtes et non des Gaulois. Qualificatif donné donc par Jules César des tribus qui commerçaient, qui cultivaient et avaient un artisanat développé. Et comme nous actuellement, ils aimaient picoler le bon vin et la cervoise. Donc, levons nos verres et trinquons en notre amitié et la passion qui nous unit toutes et tous. Et comme on dit en gaulois, Mata Yacheto. Bravo! Merci Sven. Bon, alors, c'est ça. Ça, c'est pour les copains de Chambray. Voilà. Là-bas, toi, viens ici. Le monsieur, il ne savait pas ce que c'était la différence entre un Romain et un Gaulois. Donc, il a eu le gage. Aujourd'hui, c'est lui qui porte le phallus. C'est ça. Et je l'assume. Et tu l'assumes. Voilà. Et eux, ils vont l'assumer pleinement. Voilà, tu vois. Parce que eux, c'est les rois du sopalin. Bon, ils sont un rouleau de sopalin. J'ai jamais vu ça de ma vie. T'as du phallus, t'as du jus. Ça, c'est pour Kiki. Et ça, c'est pour quelqu'un là-bas. Ils sont fous, ces Romains. Ils sont fous, ces Romains. Ouais, je te laisse passer. En tout cas, joli phallus. Merci, ouais. Alors, regardez ici, j'ai un porte-carte. Parmi les 4 rois qui existent, donc cœur, carotte, crème, j'aimerais que tu en cites un. Le roi de pique. Alors tu vois ici, j'ai une première prédiction. Je savais que tu allais choisir du pique. C'est pas un roi, mais c'est du pique. Je la mets juste ici. Et de l'autre côté, on a d'autres cartes avec des prédictions. Et tu m'as dit le roi de pique. Tu aurais pu choisir n'importe laquelle. Et je choisis le roi de pique. Et si je n'avais pas... Merde, elle est retournée dans le bon sens. Je savais tellement que tu allais choisir cette carte que c'est la seule carte qui est rouge. Et les autres, du coup, ce sont des as. Truc de fou. Tiens, le droit à Titi. D'ailleurs, c'est pour toi, ça. Le roi de pique. Tu m'as dit le roi de pique. Hein. Vous n'avez pas vu, ça c'est déjà produit. Ici, j'ai mon frère et moi, il a des cartes de crédit. Mais si je secoue un peu, ta carte c'était un roi de pique. Oh non. Carte de visite. Facile. Facile. Carte de visite. J'en laisse une. T'as laissé-moi la filmer comme il faut d'un autre côté. Tourne-la de l'autre côté. Oh tu vas faire plaisir à quelqu'un. La carte de visite. Super magicien. Qui envoie le bois, il nous a estomaqué toute la soirée. Bravo. J'espère que vous ça va. Dernière ligne droite pour le rallye du sud. Écoutez, on finit sur un temps qui est variable. Là, on va profiter un maximum, tant qu'on peut. On va essayer de faire le départ à 9h30, je dois être 9h20 à peu près, je pense. Donc cette fois, on va passer devant les caméras pour immortaliser cette dernière journée. On va ouvrir le dernier terrain. Normalement, il reste pas mal de jetons. Quand vous reviendrez, cette fois, on pèsera vos déchets. Donc on vous remettra des tickets de tombola pour gagner l'Orix. Et puis mon ami est arrivé, donc vous aurez de quoi manger à midi, c'est bon, il fait des super pizzas. Donc il est là tôt, vous avez vu, parce que c'est feu de bois, ça se travaille. Et puis écoutez, je vous souhaite bonne chance pour le dernière ligne droite. J'espère que vous allez mieux que moi, j'ai mal à la tête. Hein. Non mais écoutez, on va se mettre à petite ligne droite, regardez bien, faites des grands sourires là-bas, il y a quelqu'un qui vous attend pour... Hein, c'est comme dans les Space Mountain, vous arrivez dans le photo, faut faire un sourire comme ça. Et puis bah, écoutez, bah, bonne chance à tous, on va ouvrir le dernier terrain, c'est parti. Un joli son, mais... Fais-nous rêver. Ah, le pinpointer, où es-tu? Sorti. Et voilà, un beau déchet. Un déchet. Bien essayé, mais le son était là. Le son était là, mais... Allez, je perds pas espoir. Bonne chance. Merci. Alors, peut-être pas un jeton, mais un super son. Et c'est une monnaie. 10 centimes. Une petite 10 centimes. Pas partie... Ouais, c'est une 10 centimes. Ah, ouais. Ça n'avait pas parti, ça n'avait pas été pro. Ça, c'était là. C'était là parce que c'était Roubiro. Ouais, ouais. Ça, c'était là. Une petite 10 centimes de francs. Bah écoute, ma foi. Hein, découverte. Petite découverte, parce que ça c'est sûr, c'est pas Chris qui l'a jeté. Hein. Elle était là depuis un moment, c'est cool. Allez. Ah, une petite trouvaille un petit peu originale là, sympathique, une petite cloche. Petite clochette. Et en plus elle marche. C'est génial. Excellent. Ouais. Toujours rien? Non. Non. Ah, il y a encore un peu plus haut là. Tu verras, il y a encore un terre-plein et après aux arbres là-bas c'est fini. Vous emmerdez pas d'aller plus loin, je pense pas qu'il y en ait. Hein. Okay. Voilà, je pense qu'après c'est la limite. Mais il en reste, hein. Il y en a que 10 qui ont été trouvés là sur 60. Hein. Okay. Donc il en reste. Et la sortie c'est par là-bas. C'est ça, la sortie c'est par là-bas. En bas il en restait plein, il y en a que 8 qui ont été trouvés hier. Ouais. Donc il en reste encore. Hein. Okay. Voilà. Allez, bonne chance les gars. Merci. Les jetons ils sont pas si profonds. Hein. Non. Non. Oh, tu es pas loin là. Oh, faut creuser encore. Tu veux pas creuser? Tu veux pas creuser, voir ce que c'est? Non mais tu y es là, vu comment ça sonnait, c'était pas si pour... Ouais, voilà, moi à mon avis t'es bon là. Tu es dessus là. Ah, allez. Allez. Vas-y pour voir. Le fou. Ben filme alors, hein. À y être. Là c'est tout noir là. Ouais c'est normal. Touche avec le doigt l'écran mais ça va revenir. Ah nickel. Là si c'est pas... Là, vous détectez depuis combien de temps? Moi ça fait 3 ans. Oh. C'est pas très vieux hein. Voilà un petit bout d'alu. Ah ben voilà. Des pollutions. C'est ça. Allez. Merci. Ah de rien. Alors ouais, ça va. Ouais, ouais 2 jetons. 2 jetons. Pas mal de merde. Ah ben ça hein. Manque pas hein. Ah, ouais. Il en manque pas. C'est sûr. Ah qu'est-ce qu'on est bien là, moi cette vue. Ah quand il n'y a pas de vent c'est agréable hein. Oh, regarde. Ah, vu, tu vois. Ben, là, voilà. Ben, ça, c'est un bout de but. Hein. Ouais, ouais j'en ai plein là-bas. Là. Ah, mais gardez-les, gardez-les. Après, ils les pèsent, voilà. Ça va vous faire gagner des tickets. Ouais. C'est bien ça, ça dépollue. Parfait, ouais, il en manque pas, hein, des morceaux d'obus. Hein. Malheureux. On pense à reboucher les trous, les gars. J'en ai trouvé plein que c'est moi qui les rebouche. Hein. C'est pas cool, je sais pas qui c'est, mais il est pas gentil. Hein. C'est bien, c'est bien. Alors, t'as trouvé quelque chose? Que du fer. Que du fer? Pas de jetons, rien du tout aujourd'hui? Ben non, rien. Ah ouais? Ouais. Cartouche. Cartouche, ah ben ça. Ça manque pas, hein? Ouais. Ben là, il y a un truc, alors je vais regarder. Ah, je vois que t'as un truc là, ouais, effectivement. Et ça sonne bien en plus. Ouais. Mais tu vois, ça a été remué. Ouais, bon. Donc. Par exemple, j'ai trouvé une cartouche dans le truc qui a été... Et ils l'ont laissé dans le trou. Aïe, 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 que c'est pas bien ça. Je vais attendre de voir, mais... Vu comme ça avait été gratté déjà auparavant... Allez, un petit coup de pinpointer. Ah, lui, il déconne, mais bon. C'est pas notre journée. Bon, après, hier, t'as fait une sacrée belle journée quand même, hein? Ah ouais. Ça veut dire, t'as gagné un détecteur quand même. Un petit AT Pro avec un casque sans fil. Ouais. C'est joli. Je suis content que ce soit toi qui l'aies eu en tout cas. C'est pas souvent qu'on gagne des détecteurs. Il est par là. Attends. Voilà, ouais. Yep. Alors c'est quoi? Alors qu'est-ce que c'est? C'est... Ouais, je sais pas. Peut-être un bout d'obus. Ouais. Ouais, c'est un bout d'obus. Ah ouais. Garde-le pour le poids. Oh non, c'est une balle. Ouais, peut-être une balle. Ouais. C'est une balle qui a frappé ça. Ah. C'est une balle qui a frappé. Bon, bah, écoute, des pollutions, hein. Ouais. C'est une balle qui a frappé. Regarde, s'il n'y a rien d'autre. Oui. Ouais, non, je pense pas. T'avais un simple son, donc. Voilà, allez, bonne chance pour la suite. Tu as un casque sans fil. Ah, joli. Pour l'instant, c'est le plus gros. Joli. Pour moi, c'est moi qui ai le plus gros. Ouais. Joli. Allez, pour voir si la deuxième main heureuse. Peut-être. Et un poncho. Ah, bien, un poncho. Un poncho. Donc, tu les gardes bien avec le cœur. Ouais. Bah, nickel. Bravo pour le casque. Félicitations pour le casque. Félicitations. Allez, un jeton. Tire-nous au sort quelque chose de bien, Chris. Je te laisse l'ouvrir. Alors, fais-nous rêver. Un Z-Link. Un Z-Link Garrett. C'est un truc casque sans fil. C'est un casque sans fil Garrett. Bien. Voilà. Bien. Ah ben voilà. Tu parles, on est où? Le père pas. Ouais, tu le changeras. Tu le changeras, ou tu le vendras. Ou t'achètes un Garrett. Non mais vends-le. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Plus de 3 kilos? Bah, 2 tickets. Faut lire. Bon. Ah, bon. Bah, écoutez, je pense qu'on a passé quand même un week-end sympathique. Je remercie tous les gens d'être venus partager ce moment avec nous. C'est la 2e édition du rallye du Sud. Et je trouve qu'elle était vachement mieux que celle de l'année dernière, alors que l'année dernière on était beaucoup plus. Comme quoi, c'est mieux d'être moué et que ça soit plus convivial, la qualité c'est toujours mieux. Hein. Je suis halluciné par ce que vous avez sorti. Ici, comme Mathieu me disait, il y a une parcelle de 250 hectares. Vous avez détecté 3 hectares et là on est à peu près à 350 kg de déchets. Donc vous pouvez tous vous applaudir. Bravo! On peut voir une belle démonstration de ce qu'on fait au quotidien. Alors on était, ouais, l'État, tout le monde nous engueule, oui, mais là regardez ce qu'on fait réellement, c'est ça, 90% du temps c'est ce qu'on fait. Et je pense que c'est pas du luxe d'enlever les déchets de la terre. Hein, c'est impressionnant hein, ce qu'il y a, t'as vu ça? Impressionnant. Ah, j'arriverai pas à le lever hein. Donc voilà, un grand bravo à vous pour avoir participé au jeu de la dépollution. C'est celui qu'on a mis en avant, celui avec lequel on va faire gagner l'Orix. Je vais commencer par aussi remercier nos sponsors. Donc le fabricant français qui nous suit de près, que j'affectionne beaucoup. Je détecte depuis longtemps avec leur matériel et je trouve qu'ils sont quand même vachement sérieux, ils font des bons produits. Donc on va applaudir XP et les remercier très fort. On va aussi remercier la maison de Garrett, l'importateur français qui nous a aussi fait l'honneur de nous donner de jolis lots. Bravo Garrett, avec un très bon nom qui est à côté. Et merci à toute l'organisation qui a été là de près avec nous. Vous savez, on ne pourrait rien faire. Tous les bénévoles, la famille Sud Détection, de laquelle tout le monde fait partie quand on vient au rallye du Sud. Hein. Et j'espère qu'on vous comptera aussi nombreux l'année prochaine. Voilà, on va commencer par le premier lot. Donc le premier lot, je vais le remettre à Mathieu Roux qui nous a fait plaisir de nous accueillir ici. Et celle qui on ne pourrait pas organiser ce genre de réunion, des objets aussi extraordinaires quand même. Donc Mathieu, ben, tu vas t'approcher, je vais te donner quelque chose pour te remercier. Allez Mathieu. Merci Mathieu. Bravo Mathieu, merci. Il y a moyen de voir là? Hop là, donc on a offert un étau à monnaie. Je trouve que c'est super pratique pour tenir les monnaies, faire de la restauration. Et comme la Sud Détection, ben on affectionne la restauration des monnaies. Voilà, nickel. Merci Mathieu. Merci à toi. Bravo. Ah, merci à toi Mathieu, franchement c'était super. Très bon moment. Allez, tu viens le récupérer parce que je t'attends depuis tout à l'heure. Hein. Ça, c'est le casque sans fil. Eh, merci. Et la casquette, il n'y a plus trop de choses. Impeccable. Merci. La vieille chanceuse qui a tiré le Garrett à dépôt et on va remercier les sponsors. Garrett. Et là, c'est le haut de gamme. C'est le haut de gamme. Trop content que ce soit qui l'ait gagné. Elle a gagné l'AT Pro. On va discuter. Et un casque sans fil. Et un casque sans fil. En plus de celui qu'il y a dedans. Félicitations. Bravo. À toi, c'est génial. Bravo. C'est classe. Voilà. C'est interdit de le voler. Hein. C'est génial, super content pour elle. Merci pour ce week-end. Voilà. C'était un super week-end. On s'est régalé. Maintenant, on va passer au tirage au sort du gros lot de notre sponsor XP, la grande maison Explorer, fabricant français. Aïe aïe aïe, à celui-là, il faut bien mélanger. Je vais put on the watch, put on the watch. 3 times. Entre le lot. Un Oryx. Youlis, t'es prête? Attention, là c'est important. Tu Je fais ça sérieusement. Hein. Avec... Il y en a deux, tu vas choisir. Alors, attention, roulade de tambour. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Oh. Monsieur Duclos. Tu m'as dit, vous êtes traîné à ton dossier, ton nom. Félicitations, tu as gagné le mix. Félicitations. Merci de chat, hein, c'est ton nom. Les petits sourires pour nos amis. Ah, félicitations. J'ai un photographe, personne ne veut. Super machine. Bah, je sais, j'en ai un. Ah ben, on en acheter un en plus. Voilà. Mais il a enlevé pour la descendance, voilà, c'est bon, tu vois. J'ai pas de descendance. Nickel. Ne laisse pas tomber. Et remercie la petite mascotte. Merci, franchement. Bravo, la petite mascotte. Hein. Retire encore, hein. T'en bouge pas, je vais te faire un truc. Bon, ben, voilà les amis, hein. Bon petit rallye. Hein. Ah ouais, super rallye, c'était cool. Un temps un petit peu pas terrible, mais bon, on s'en sort bien. On a passé le super moment. Voilà. Et bah, j'ai rencontré mes potos, je suis content. Voilà, mais c'était super, ouais. Super week-end, super rencontre. On a rencontré Ludo, donc Sapeur Détect. Je vous laisserai le lien dans la détection en bas. Allez voir sa chaîne, si c'est pas ce qu'il fait. Voilà, donc Sapeur Détect. Voilà, il est mignon. Voilà, ben les amis, on vous dit à la prochaine et puis n'oubliez pas de voir sa chaîne, ça me ferait super plaisir. Voilà. Merci les amis. On vous dit ciao et à très bientôt. Allez, salut. Ciao.